Véronique Genestre, islamophobe, la comédienne en rajoute une couche. Véronique Genestre revient sur ses propos polémiques au sujet de l'islam. La comédienne assumée, elle en rajoute une couche dans une interview accordée à Téléstar. Elle assume tout. Dans une interview accordée à nos confrères de Téléstar, Véronique Genestre revient sur ses propos polémiques au sujet de l'islam. L'actrice qui incarnait Julie Lescaut sur TF1 déclarait en 2012, sur le plateau d'une émission animée par Jean-Marc Morandini sur Énergie 12, qu'elle était islamophobe, en expliquant « phobie veut dire peur ». Donc oui, peut-être oui, probablement, je suis islamophobe comme beaucoup de Français, j'ai peur de l'islam comme on a peur d'une chose que l'on ne connaît pas. 4 ans plus tard, la comédienne assumée déclare « je ne regrette rien ». Elle développe, les gens sont intelligents et mes prises de position, et ils les ont très bien comprises et se défend, certains tiennent des propos bien plus durs que moi. Véronique Genestre avait également qualifié l'islam de « dangereux pour la démocratie ». Les propos de l'actrice sont souvent brocardés et d'ailleurs le groupe de rap Big Flo et Oli avait refusé de se rendre sur le plateau d'une émission où elle était invitée, comme eux. Malgré les polémiques qu'elle déclenche, Véronique Genestre a toujours assumé ses propos. Sur le plateau de LCI en 2016, elle rajoutait déjà une couche « ce n'est pas moi qui parle de mes déclarations sur l'islam, c'est l'islam qui en parle tout seul. Pour moi, ça va, c'est bon, j'ai donné, je ne regrette rien, c'était des propos sur la peur. Aujourd'hui tout le monde a peur. Mes propos n'ont jamais parlé que de la peur, j'ai toujours aussi peur et je ne suis pas la seule à avoir peur. » Crédit photo, Best Image. Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail. Recevoir, veuillez saisir un email valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site, Véronique Genestre.